Voilà, cette fois, le circuit est fait. On peut accéder au deuxième boss du jeu. Je ne me rappelle plus du tout de qui c'est. Je pense que je m'en souviendrai une fois que je serai devant. Ok, tout le monde est prêt? Tous systèmes sont opérationnels. Merci, sergent. Ok, on y va. On y va, deuxième boss. Cachot de buzz, donc c'est le lac crépusculaire, le troisième monde. Mais avant, forcément, la naissance de Spike. Espèce de petite sotte sans cervelle. Je te confie une mission facile et toi, tu trouves le moyen de tout faire échouer. Ça m'apprendra à faire confiance à une gamine. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe d'eux maintenant. Ces œufs n'en valent sûrement pas la peine. Sans les dragons, la magie disparaîtra de ce monde. Sans magie, mes chances de survivre s'envoleront. Et toi, tu n'auras plus la moindre chance de devenir une sorcière. Regarde comment une vraie sorcière se débarrasse de ses ennemis. Qu'est-ce que tu dirais d'un dragon pour ton déjeuner? Alors, à quoi il va ressembler? Pas à un lapin, lui. Un gros méchant pas beau, avec des yeux verts. Et évidemment, un genre de bazooka. Ok, merci sergent Bird. Les tacticiens m'ont dit que la sorcière allait attaquer ici. Bravo. Je suis donc venu en avion pour t'aider. Apparemment, mes lance-roquettes sont inoffensifs contre cette créature. Mais je peux toujours t'aider en larguant des munitions. Allez, vas-y, et bats-toi pour la bonne cause. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là, à l'instant précis, le Spike en question, il peut pulvériser sergent Bird comme ça. Piou. Il est de dos, il le voit pas. Voilà, c'était l'instant réflexion inutile. D'ailleurs, une constante, tant que je ne bouge pas Spyro, il ne me fera rien. Et si je bouge, c'est parti. Ok, alors, déjà, je pense qu'il faut lui balancer ça dans la tronche et apprendre à viser. Ça peut être aussi une bonne option. D'accord, donc il a une espèce de canon plasma. Je me souviens plus trop de ce boss, il m'a pas marqué. Voilà, premier hit. Ouais, il essaye de donner des coups de poing par terre. Voilà, moi je sais toujours pas viser. Il n'en envoie que deux, on dirait. Pour l'instant, hein, il va forcément augmenter le ratio plus tard. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de point d'aptitude pour ne pas être touché du tout dans les boss comme dans Spyro 2. Parce que ce serait déjà un échec. Je me suis fait toucher deux fois. Ce qui est assez, assez lamentable. Ok, là il en envoie trois. Ah, cette fois, on a des espèces de boules bizarres. Non, c'est pas un Pokémon. Il va l'avaler. Voilà, j'ai pas eu le temps. D'accord. Ah oui, d'accord. Est-ce que Sergent Bird aurait l'obligeance de m'envoyer un mouton? Ok. Bon, on va dire que c'était l'entraînement. Parce que là, j'ai vraiment été nul. Donc, c'était l'entraînement, hein. Voilà. Voilà, ok. Bon, l'excuse de l'entraînement va pas marcher tout le temps non plus. Hein. C'est moi qui disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème avec Lévi. On se dit 30 et quelques, ça laisse de la marge. Il va la dégommer avec son canon ou pas? Non. Allez, une. Là, il y en a une autre. Voilà. En fait, il n'y a pas forcément besoin de faire n'importe quoi. Durant que tu... Bon, il dégomme les boules avec son canon, c'est assez logique. Donc on va attendre que Sergent Bird en mette une autre à ma disposition. Vas-y. Pan, pan. Ouais, ok. J'ai cru que j'avais dégommé la deuxième avec la première. Ok, deuxième hit. Maintenant, trois boules. Non? Non, pas encore. Il faut d'abord un hit supplémentaire encore. Ah putain, il l'a dégommé. Ah putain, il m'a touché! Sergent Bird, auriez-vous un mouton à disposition? Ok, troisième hit. Je crois que donc, ouais, c'est maintenant que ça change de cycle. Ouais, là, il en balance trois. L'arène est endommagée, il y a du feu qui sort. Et il balance des trucs nouveaux. Donc voilà, ça c'est pas dur à éviter si je fais un peu attention. Ok, c'était ça, c'était un tir de flamme puissant. Voilà, là j'en ai un autre pile devant moi. Voilà, impeccable.
Donc là maintenant, voilà, nouveau cycle. Il en tire 4. Et il y a, j'ai peu le temps de le choper. Ça va faire quoi ça? Ok, bon, ça faut juste courir en rond. J'ai plus de sparks en fait, hein. Ah oui, mais il faudrait pas que je me fasse toucher. Ça serait cool. Ok, donc ça c'est pareil. J'ai cru que c'était un truc de charge, mais c'est des réminiscences de Ripto où quand c'était les boules bleues, c'était en chargeant qu'on faisait quelque chose. Ah putain, il va encore falloir que je tourne. On tourne en rond. Le problème en fait, c'est pas les ce qu'il envoie, c'est le. Ah ouais, c'est la tête chercheuse. C'est le feu qui sort du sol en fait. Faut vraiment pas que je le touche par inadvertance. Ah bah voilà. Ok, bon bah voilà, c'était bien l'entraînement au début, je l'avais dit. Voici Monique qui court après un papillon. Ok, merci de votre aide, Sergent Bird. Mission accomplie. La sorcière ne fait pas de monstre meilleur que Bianca. Bien! Voici Bianca, forcément. Ou bien une cat, encore une fois. Écoute-moi, dragon. Spiro, je suis très sérieuse. La sorcière va te poser un piège. Et si elle t'attrape, crois-moi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Écoute, je te promets de prendre grand soin du reste des œufs. Je te le jure. Amène chasseur et retourne chez toi avant que... Je ne peux pas te le dire. Va-t'en. Merci, Bianca.